Allez Enzo, c'est bien. Allez Noé, c'est bien. Allez. Allez Manon, allez. C'est bien Manon. Allez, double. Allez, c'est bien Enzo, continue comme ça. Allez Enzo, allez. Allez Thomas, allez. Il y avait des champions de Bretagne l'année dernière en quatrième position. Nous allons retrouver un autre Louis Asselin. Allez Enzo, c'est bien Enzo, très bien, continue comme ça. Allez Thomas, allez. De l'US Verne, Martin Rouillère, Steven Neval, le passage à l'instant de Pierre-Henri Bazin pour l'instant. Voilà, dans un instant, ils vont nous rejoindre sur cette ligne d'arrivée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec la présence des deux hommes de tête. Allez, c'est bien, Enzo, tu rentres. Nous allons les retrouver dans quelques instants. Voilà, c'est Pierre-Henri Basset avec Martin. Là-bas, elle est leader. Elle est dans la mission pour retrouver dans quelques instants. L'île de Saint-Denis, le public qui a baillé seul. Devant être très voilà, récupérez-vous en seconde position pour l'équipe de Banque Automaine. Voilà, si vous avez l'occasion de retourner, au revoir dans un instant sur la partie route. Pierre-Henri Basset, Martin, en seconde position. Allez Noé, allez. Allez Coralie, en double. Ouais, c'est bien. Pierre-Henri Basset, Martin Rouillère, retour de Mathieu Cartier.
Allez Manon, c'est bien. Allez, allez. Noé Fouché qui fait bien sûr le bonheur de la formation. Alors on revient sur la tête de course avec le coureur qui vont nous rejoindre dans un instant, mesdames et messieurs, avec notamment Martin. Allez Enzo, allez, allez, allez. Restez là, faut que tout de suite, allez Thomas, allez, allez. Allez, Enzo Brillon avec, bonjour, ça va? Avec nous également Thomas Hubie, nous avions la particularité également de retrouver... Allez Enzo! Allez Thomas! Allez Thomas! Allez Thomas! Allez Thomas! Allez Thomas! Allez Thomas! Allez Gabi! Allez Gabi! Littéralement, on va distancer le coureur de l'USR. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Le dernier tour, Pierre-Henri Basset, dernier tour. Prochain tour, c'est l'arrivée. Prochain tour, c'est l'arrivée. Avec Pierre-Henri Basset, le vainqueur des Clermont, Guy Chang, le cinquième de la Bélière. Allez, Enzo, il est pas loin. Va le chercher. Allez. Ils sont dixièmes sur la seconde. C'était dans Précieux. Allez, on suit également vos applaudissements. Martin Aurier, dernier tour. Dernier tour pour le garçon qui porte les couleurs de l'US Verbe Cyclisme. Enzo Brillon, le Brillon Chat, troisième place. Brillon à la lutte est loin d'être figé entre ces deux garçons. Avantage bien évidemment au Loudéassien Pierre-Henri Basset qui est en train littéralement d'écraser cette fin d'épreuve. Alors que face au podium pour l'équipe du cycloclub Buzelet, ils sont d'ores et déjà prêts à vous accueillir sur la dernière manche de la Coupe de Bretagne. N'oubliez pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'urne concernant le bulletin de Tombola. Rendez-vous à la buvette. Loris Maudo, le dernier tour, Loris. Dernier tour, là la lutte avec Maureen Tréguet pour aller en prix, le dernier tour. Dernier tour pour les féminines. 66 et 67 roulent dans, voilà actuellement les deux premières féminines. Alors qu'Annie Thérigot. Allez Manon, allez, 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 c'est bien, dernier tour. La moto 13, dernier tour, vous êtes actuellement en troisième position. Voilà, donc si vous avez l'occasion de bifurquer un petit peu, dans quelques instants on va revoir la tête de course. Ça va être déterminant bien évidemment. Voilà la partie route pour Maureen Tréguet, pour Annie André. Elle vient de rester une perte d'une petite tête de mètre. C'est dans un cycle aussi très très important. Tous ces 10 mètres. Quelques derniers tours pour également de vous demander d'applaudir à tous les championnes et les champions de plus traverser la route s'il vous plaît. Et les lundis, c'est pas plus les juniors. Mais voilà, Pierre-Henri Basset est là. Il n'a pas fait aucune faute. Allez, Martin, allez, allez, allez. Il va voir sur la gauche. Martin Aurier. Voilà, ce sont tout simplement les deux premiers deux challenges. On va avoir bien sûr la possibilité de retrouver Enzo Brillon qui n'a pas indiqué. C'est un point déterminant également pour le briochin. Enzo Brillon, il est juste derrière vous. Allez, allez, allez Mathéo, allez, un peu derrière. Dans la catégorie des minimes, voilà Thomas Hubie 4ème, Mathieu Coquin, Mathéo Gardi, le vainqueur. Allez Enzo, c'est bien, allez. 7ème position, 6ème, avec Gabriel Gueston, la 7ème place. Allez Thomas, allez Thomas, allez, allez, allez Thomas, allez, allez, allez Mathieu, ouais, dans le sable, allez. Ah, ça se montre à sa grand champ, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et prestation de Pierre Basset, superbe. Superbe victoire de Pierre-Henri Basset. Le second de grand champ, lui qui vient bien sûr de s'imposer sur la deuxième manche, ici même, avec Martin Rouillère qui va prendre la seconde place dans un instant pour le tout nouveau pensionnaire de l'US Verne Cyclisme, Martin Rouillère.
Pierre. Super Martin. Deuxième place. Et là, belle prestation d'Enzo Briand pour l'équipe de Lucie Brioschi. Troisième place, ces trois garçons seront derrière Thomas. Quatrième Thomas. Cinquième Étienne Morasso. Sixième Gabriel Guesson. Quelle finale. Superbe finale. Et la septième place, Mathieu Garni. C'est bien battu également. Tout le également dans les trois disciplines. Une ovation. Morène Trégouette. Super, la victoire pour la secrétaire du Ballon d'Or. Je vous retrouver dans un instant. Je vous demanderai d'applaudir le mot Coragnon des qui sont allés. Coragnon des super Coragnon. La sportive Pierre. Maintenant devra arriver bientôt. C'est bon, c'est pas votre place, mais... Ouais. Voilà, l'arrivée.